Yo les gars, ne quittez pas la vidéo qui va suivre. Regardez-la jusqu'à la fin, c'est pour parler ce que vous voulez sur la chaîne le temps que Call of Duty arrive. Le gameplay, c'est peut-être le truc qui va arriver ou pas, c'est vous qui me le dites dans les commentaires. Allez. Voilà, oh les gars, voilà, alors vous voyez, vous avez un gameplay de Brawl Stars, comme je vous ai dit juste avant, c'est pas grave. Ça peut arriver sur la chaîne, comme ça peut pas arriver sur la chaîne. C'est juste que le temps que Call of Duty sorte, voilà, soit vous pouvez avoir du Brawl Stars, dites-le-moi dans les commentaires ce que vous voulez, comme vidéo ou comme live, voilà. Tout simplement, je veux savoir ce que vous voulez dans les lives, ce que vous voulez dans les vidéos. Tout simplement, vous marquez hashtag live et après vous marquez le jeu que vous voulez si je les ai. Voilà, j'ai GTA, j'ai Call of Duty, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. J'ai Minecraft. Après, pour les jeux mobiles, j'ai Call of Duty, mais Call of Duty, c'est sûr et certain qu'il sera sur la chaîne YouTube une fois qu'on pourra l'avoir en Europe. Parce que là, il est bloqué, je vous parlerai ça juste après. On va en parler juste après. Pourquoi? J'ai aussi les Simpsons Springfield. Mais il n'y a pas trop de trucs à faire, je peux juste vous faire voir ma ville si vous voulez. Vous faire voir quelques petits trucs vitef. Voilà, après j'ai quoi d'autre comme jeu? J'ai pas d'autres jeux. Mais pour ceux-là qui ont des jeux dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à me le dire à me le dire. Si vous avez des jeux de guerre, des jeux de voiture, des jeux avec des zombies. Au fait, j'ai un jeu avec des zombies en survival. Je pense que je vais vous le présenter dans pas longtemps. Aussi normalement une vidéo qui devrait arriver sur la chaîne, une vidéo comment j'ai fait pour télécharger Minecraft sur mobile, sans le PS, voilà. Et aussi pour le câble, parce qu'on m'a redemandé avec pour le câble la manette. Voilà, c'était quoi que j'utilisais comme câble, tout simplement. Et combien ça coûtait, voilà, tout simplement. Aussi maintenant on va parler vitef, pourquoi Call of Duty est bloqué. Alors je vais vous parler de ça, j'ai regardé une vidéo, voilà le mec il a vraiment bien expliqué. Je vous mettrai la vidéo si vous voulez dans les commentaires ou description. Ou peut-être pas, voilà. Alors le gars il a expliqué comme quoi que Call of Duty était bloqué parce qu'en fait il y a trop de personnes qui sont connectées un seul coup en Inde. Et normalement en Inde on va dire sur 1000 personnes il y a 50 500 personnes qui ont un téléphone pour jouer à Call of Duty, qui sont compatibles à Call of Duty. Voilà, normalement ça devait pas être trop de personnes. Et là il y a plus de 10 millions ou 10 milliards de personnes qui sont connectées pour jouer à Call of Duty grâce à des VPN. Et ben non, Activision ou soit la boîte qu'ils ont travaillé sur Call of Duty, c'est-à-dire Activision et l'autre boîte TIMI, ont bloqué ça. Ils ont bloqué les VPN, c'est-à-dire maintenant vous l'avez un peu dans le HUC et vous devez attendre qu'il sorte en Europe. Normalement la semaine prochaine il sort, ou soit dans pas longtemps. En tout cas, dans vraiment pas longtemps il sort, les gars. Tout simplement. Aussi, si vous voulez du Brawl Stars, vous me redites. Hein. Voilà, vous me le dites, n'hésitez pas. Ça me fait pas chier d'en faire. C'est pas mal. Là, surtout avec l'écran que j'ai, c'est pas mal. Bah voilà, les gars. Moi, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager. À me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Allez, ciao, ciao.